Salut tout le monde, c'est Altrozy et Pixup. On se retrouve ici de retour sur notre fameux intro Get Out of Hell. Je vais y arriver. Et souvenez-vous, on avait enfin notre beau petit marteau. Le beau petit marteau, il n'y a pas. I tell you, after getting your head cleaved up, c'est parce que j'ai fait word from Blackbeard that every island has a treasure chest. Ah ouais, ça on avait vu qu'on allait. I don't know. Ah, non, nous avions dit qu'il y avait un pirate. What I do know is that if you want to get that thing open, you have to find three corresponding glyphs. Look on the bright side. Nothing's trying to kill you. D'accord. Ça va. Je comprends pas le... Non, on a trouvé trois glyphes correspondant au coffre, et avec ça on peut ouvrir un coffre. Mais ici apparemment, on n'avait pas vu, vous avez pas dit, mais on avait reçu un pouvoir, donc on n'avait pas trop compris, et apparemment, on peut créer des gobelins. J'ai trouvé... Je sais pas, ah, un sur trois, non, mais j'ai trouvé. Apparemment, avec ça on peut ouvrir un coffre. Et bon. Ça c'est pas mal ce petit invocation là ici, je trouve ça un peu marrant, apparemment ça doit attaquer nos ennemis. Je sais pas quoi. Il est vieux. Il est gâché. Bon allez, on est parti pour notre chien, mais viens ici d'ailleurs. Mais viens ici je te dis. Allez bâtard, je vais se voler. Ah trop mal. Ah bâtard. Merde, j'ai battu Camillero. La maniabilité est assez compliquée, je dirais. Quoi? Ah, en fait, il y a des clusters, apparemment, qui sont... Ah ouais, attention, ouais, je vais devoir faire une pause, là. Donc, plus d'énergie. C'est bon. Apparemment, il y a des... Quand on vole à travers la ville, repère un endroit où il est difficile de passer... Il y a du cash, il mettra sa dent sur les nerfs. Allez. Ah, donc apparemment, ici, si tu arrives à passer en vol dans le tonneau, tu gagnes du cash et ça énerve un peu. Je vais essayer un truc, attends. Deux secondes. Voilà, je vais faire ça. Hop, je vais tourner. Hop, et si j'arrive. Bâtard, putain. Bim. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est bien fait les ailes qui s'embrasent au fur et à mesure de ton temps de vol. Par un cluster. Allez, j'ai presque plus de. Des voitures qui passent, qui brûlent quoi. Allez, récupère. Salut. Ça va, tu fais connaissance des habitants de la ville. What the fuck? C'est apparemment au début. Ah ouais, on a pas. J'ai pas encore. Ah ouais, il y a les flics. Yeah. Tu sais que je me fais défoncer aussi par les flics parce que tu t'es fait avoir. J'avais dit. Oh, je vais arriver avant toi! Bâtard! C'est bon! Ah, bâtard! Tiens! Vas-y! Je vais exploiter eux! Ah ouais! Lights up! William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest. Donc Shakespeare, c'est un DJ. And he looks to test his visitor's mettle. Ça rend pas le... The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility. Traits uncommon and profile of this position. Tu sais quand tu sprintais et que t'attaquais. Ouais, mais si, non, tu peux. Qui sont les snipers? Le bâtard! Il s'est TP. Ah, il est tombé. En fait, je crois que je vais prendre un flag.
Bâtard. Mais sérieux quoi, il y a... Tiens, la SCP. Ah, moi je tire de loin. On a un PD. Allez, regarde. C'est pas... Oh bâtard. Plus rapide. Voilà. Ah oui, on va prendre le flingue. Oh, on commence. Ouais, tu peux poli. Vol. Mec, tu voles. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? What? Un gros mob. Ça sent un petit boss. Mais non. Et donc eux donnent leur boubou. Ok, il y a un boubou. Encore ? Non, c'est bon, je vais pas les tuer. J'ai cliqué. Le burn va pas être. Ah, il faut tuer ces trucs autour. Hein ? The conflict resolved. Quoi ? Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. Hein? Ah non, j'ai rien dit. Il y a des chiottes? Des monstres? Hein? In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, ah voilà, d'accord. C'est à ce moment-là qu'on intervient. On est là, mec. Si, si. And so Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux désormais taper du pied par terre et envoyer un ah, écrasement. Ah bah écrasement. Écrasement puissant. Écrasement. Diversion monstre. Dex et tue-le. Encore et encore, fais-lui payer ce qu'il a fait au sein. Ah, ah d'accord. Attends, on va faire. Attends, tu fais quoi là? Lance. C'est didacticiel. Pour l'écrasement? Ouais. Histoire 2. Right, ça. Ça revient à la même chose que dans le 4. Par contre, le son est. Attends, attends, en fait, c'est mieux, c'est de sauter et de faire. So style. Act 3. In which our protagonist learns that force don't even works on flying. Ouais, attends. Enabling them to remove a dark incisor's shield before shooting them to death with bullets. There is also a mistaken identity and love unrequited. Il faut faire quoi en fait, tirer sur ce signe? Non, il faut utiliser l'écrasement pour abaisser le bouclier et après tu tires. Ah, après tu les niques. Oh, bah apparemment ils sont en haut, est-ce qu'ils ont plus ouais, ouais. C'est leur bouclier qui leur permet de. Et ce. Je kiffe ce système d'ailes. Ouais, c'est bien foutu.
Apparemment, c'est le même système que 4. Alors, on se retrouve à 1700 mètres. Tiens, question. Je suis sur toi. Vas-y, on prend la voiture, c'est trop long. Un vol ? Ouais. Attends, une voiture. Qu'est-ce que tu fais ? Regarde comment il court. Hope Johnny can keep up. Mais apparemment, je peux pas. Vas-y, c'est l'ambulance. Apparemment, c'est l'ambulance. Et quoi si j'en arrive, ça fait quoi ? Putain, je prends cher. Non mais t'as pas encore. Ouais, je prends cher quand même. C'est nul ce système. Par contre, je préférais le système d'avant où. Hein ? Il glisse à proximité. Note to self. Tu tombes dans la lave. Find a way to control lightning. Ça. Pour en acheter un coaster. Oh, pour en acheter un. Regardez. Non, ça on récupère assez vite, c'est vite d'intérieur. Oh oh. J'ai intérêt de me poser. Merde, excuse-moi. Attends, j'ai intérêt de me poser sinon je suis dans le caca. J'aime le système, il y a des oreilles ici, il y a des crèves. Faut absolument que je me pose là. Ça va? Attends! Attends, je vais te filer un petit coup de main, vite. Attends! Moi, c'est une voiture. Attends, et on n'a pas un boost? Ah non, on a pas trop de mal. Je serais curieux de. C'est quel couche encore c'est... Pour. Ah non, c'est bon. Pour augmenter, je vais augmenter mon sprint. Ah, mais attends, moi aussi je vais augmenter en vitesse. Écrasement, invocation, et c'est quoi alors? Et en efficacité. Amélioration. Ok, donc ça c'est augmenté automatiquement. Écrasement, amélioration. Non. Ah, j'aurais dû. Merde, j'aurais dû acheter le battement d'aile, tant pis. Ah ouais, attends, super sprint. Vitesse super sprint, ça crue. Et je vole. Gagne un deuxième mode modèle à chaque fois que tu t'élances dans les yeux. D'accord. Attends. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Directement récupérer les temps de vol, battement d'aile 2, ça c'est pas mettre des tirs. C'est bon ? Voilà, j'y étais directement. Ouais, c'est bon, j'ai acheté mes trucs avec mes club stores, ça peut-être être utile. Pour la quête. Donc on fait cette quête-ci, et ce sera déjà la fin de notre deuxième partie. Ah déjà ? Ça va très vite. Vite hein. Ça va très vite. Le jeu m'a l'air assez. C'est prometteur. Et what the fuck ? C'est toujours été comme ça, de toute façon. Oh, c'est une super vision. Stylé. Je veux le même t-shirt. The horn on the bus goes beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Beep, beep, beep. Hey, t'es bâtard. Ouais! Pim! 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 Oh yeah! The wipers on the bus go swish, swish, swish! Homo on the bus goes my mom had like 80 of them. Hein? Pim! Pim! Ah, ça c'était mal foutu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas ?
super chien, le gars. Voilà. Oh, moi aussi. C'est les snipers, là. Ouais, les snipers. STP, hein. Ils sont où? Ils sont ici. Mais STP! Non, mais en fait, ils sont une galère à trouver. En fait, je crois pas que je peux les pécho. Un sniper de feu. Et quoi, je peux pas ramasser. Je vais couper la musique. Oh, comment t'es passé devant moi? Come, let us return to my castle, so we may plot our next. Tu l'as poussé dans le lit. Il y avait un vieux bruit derrière quand on est. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. Ah, c'était bien funny ce truc. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. T'as le même genre de système. Vlad was a man of his word and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. Et c'est pas du tout la même chose que dans le 4, mais il est bien stylé. Moi, j'ai eu un skill qui permettait de taper tout le temps. Tu voyais mon mec qui tapait tout le temps le mob. Jusqu'à le tuer à la fin. Alors moi, je l'avais pris et j'avais genre. On a vite nos pouvoirs. Ouais, hein, j'avoue que là, on a vite nos pouvoirs. Aura, tu peux désormais chercher l'énergie ésotérique. Ah, ok, c'est l'aura de feu. Et deux vents d'aura un peu glacé. Voilà. Bah, on va pas faire de tacticiel. F4. Donc. Voilà, il y a mis Nora. Et ça, c'est, en fait, ouais, en fait, c'est la même chose que buff, en fait. Ouais, voilà, c'est en gros, c'est la même chose que buff. Donc les armes et tout est buff. Selon la matière que tu l'as donnée. Donc on va arrêter ici pour notre deuxième partie de Saints of God of Hell. Okay. On vous conseille donc de vous, pour continuer à voir nos vidéos, de vous abonner. Et d'ailleurs, ah oui, t'as eu un deuxième... Ouais, j'ai acheté du coup, maintenant je peux normalement... I do not trust. Je peux faire un battement d'aile. He has an agenda. Il y a un deuxième. Voilà, c'est bien. Donc on vous conseille pour continuer à suivre nos vidéos. De vous abonner, bien sûr, de mettre un petit pouce bleu. Et merci de continuer de... Ouais, de voir nos vidéos, quoi. C'est super sympa. Et donc, pour cette fin, toujours une expression de Mr. Rowe, de Altrozy, excusez-moi. Altrozy, oui, si, s'il te plaît. Ben, on va dire que qui tient dans le ravin n'amasse pas mousse, hein. Ouais, c'est logique. C'est vraiment pas mal, hein. Donc, à bientôt. Et dans une nouvelle vidéo, hein. Salut.